Hey, bah du coup, salut à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc, nous revoilà. Moi, j'ai passé des vacances super, bon, un peu en mode Roland Garros et tout. Un peu comme ça, quoi. C'était un peu en mode Roland Garros et c'était la chasse aux moustiques et aux insectes qu'il y avait un peu à gauche à droite. Donc j'espère que vous allez très très bien et que les précédentes vidéos vous ont plu. Alors j'espère aussi que celle-ci va vous plaire. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Bon, on commence par un petit pouce bleu. Vous vous abonnez si vous n'êtes pas déjà abonné, et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Alors j'en ai parlé justement un peu à l'avant-dernier épisode. Il y a un petit challenge que je me suis mis à moi-même et dont je vous demande de votre participation pour pouvoir arriver aux 500 abonnés au moins d'ici le mois de décembre. Donc, ce qui ne va pas être évident, bien sûr, mais on met toutes les chances de notre côté et on vous invite à partager et à en parler à gauche à droite. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de comment faire pour pouvoir subvenir à ses besoins financièrement parlant en étant sur la route. C'est une question qu'on m'a posée en fait sur Instagram. Et que voilà, la personne se pose cette question depuis pas mal de temps, à savoir comment font-ils les personnes qui sont tout le temps sur la route pour pouvoir dégager un revenu. Alors, pour tout vous dire, déjà je vais vous parler un peu d'une ancienne expérience que j'ai eue. Donc j'ai fait du marketing de réseau, du marketing multilevel, on appelle ça du MLM. Et donc le principe c'est un peu de pouvoir vendre les produits d'une société sans qu'ils passent par les distributeurs. Et c'est nous qui servons de distributeurs et nous vendons justement ces produits à la place des autres magasins. Et donc ce qui fait qu'on peut dégager une sorte de marge, une commission pour avoir vendu ces produits, ce qui nous fait une certaine rémunération. Voilà ce qui est le marketing de réseau, où on l'appelle, alors ça dépend selon certains critères, c'est de la VDI, de la vente directe. Et voilà, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Donc j'ai été pendant quelques années formé sur ça. Et ça sert pas mal. Et c'est aussi donc un moyen pour pouvoir dégager de l'argent sur la route. Donc ça c'est un des procédés. Et bien sûr je reviendrai dessus, puisque aujourd'hui j'en pratique un, bien sûr, et ce qui me permet de pouvoir aussi dégager un certain nombre de revenus. Donc comme je le disais, donc il y a d'autres procédés tels que dans la restauration, alors tout ce qui touche un peu à, pour pas les citer, les Deliveroo, Uber Eats, tout ça. Donc un peu importe dans quelle région d'Europe on se trouve, ou même aux États-Unis d'ailleurs. Donc on a la possibilité de pouvoir faire ça et justement générer un certain nombre de revenus en étant un peu nomade, quoi. Donc ça fonctionne plutôt pas mal.
Et ouais, c'est assez intéressant et on fait ça pendant 2 ans aussi. Donc c'est bien, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors bien sûr, je rentre pas dans les polémiques de oui pour la sécu, la sécurité sociale, pas sécurité sociale, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment basé sur les revenus. Et là, je reste vraiment penché sur ce fait-là. Donc si jamais ça vous intéresse, bien sûr. Alors il y a sûrement des personnes qui sont déjà dans ce type de livraison à domicile au niveau de la restauration. Donc bah, tournez-vous vers eux si vous en connaissez un ou deux. Au cas où, même si bah, vous vous faites livrer, vous pouvez demander justement le parrainage de la personne. La personne va recevoir un certain bénéfice et vous aussi par la même occasion. Et donc si on regarde un peu partout, c'est ce qui fonctionne en fait, c'est le parrainage. Donc c'est dans tout. Alors vous allez aller du côté des banques, lorsque vous parrainez quelqu'un dans votre propre banque, vous allez gagner aussi un certain bonus, etc. Et donc ce sont des choses qui sont assez importantes. Lorsqu'on veut dégager du revenu en étant justement entre guillemets nomade sur la route. Le revoilà. Bah, du coup, un peu comme j'en parlais un peu la dernière fois, donc il y a plein d'applications aussi sur Internet pour pouvoir générer du revenu. Donc, c'est-à-dire, il y a des sociétés qui font appel à vous, ou des particuliers qui font appel à vous justement pour pouvoir réaliser des travaux artistiques dans le web design aussi, de monter des sites pour les beatmakers, pour ceux qui font des instrus, des choses un peu comme ça. Et donc ça, il y a plein de sites internet pour pouvoir faire ce genre de choses, aussi pour traduire des textes en différentes langues, et aussi vous êtes rémunéré par rapport à ça, et c'est très 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 ça peut être très lucratif. Donc après, c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux, et donc ça marche pas mal. Donc je vous ai aussi bien sûr présenté un peu l'application WeWork la dernière fois. Bon ben, j'ai pas été vraiment dans les détails, mais bon, juste pour faire court. C'est juste en marchant, on fait des pas, on gagne des points par rapport au nombre de pas faits dans la journée. Et à la suite de cela, on peut justement générer, avec un certain nombre de points, on peut générer un petit revenu. Bien sûr, chose qui n'est pas du tout négligeable, surtout lorsqu'on aime marcher ou faire du vélo et autres. Dès qu'on est en mode sport, ben. C'est un peu la formation en gros que j'ai pu avoir vis-à-vis du marketing relationnel, marketing de réseau, et ce qui m'a permis d'en apprendre davantage en fait sur l'état d'esprit capitaliste et battant de la société dans laquelle on vit. Et je crois que c'est Robert Kiyosaki qui disait que avec une seule source de revenus, ben on va nulle part quoi. Il faut en avoir plusieurs et manger sur plusieurs tableaux. Et c'est ce qui nous permet justement de pouvoir développer un peu notre économie. Alors même si on arrive à manger un centime par là, un centime par là, un centime par là, eh ben au final ça fait pas mal de centimes. Alors imaginez-vous à partir du moment où est-ce que vous arrivez à 1000 euros, ben, on imagine bien sûr, où est-ce que vous arrivez à 1000 euros sur tous ces tableaux-là. Et donc voilà, il suffit de travailler sur deux sociétés en même temps et vous avez 2000 euros sur 1 mois. Et donc bien sûr, par rapport à ces formations que j'ai pu suivre, en fait, il faut savoir que par exemple sur à peu près tous les emplois de salariés qu'on peut faire, la société, grâce à notre travail, gagne à peu près 3000 voire plus euros.
largement plus et au final nous rémunèrent que des brouettes en ayant payé bien sûr l'URSSAF et en s'étant mis aussi quelques soit bénéfices ou soit avant sur le produit qui est à vendre ou autre, ou des choses comme ça, le service qui est à proposer. Et donc j'espère que vous me comprenez. Et en gros voilà quoi, être entrepreneur, c'est toujours plus avantageux que d'être salarié. Mais être entrepreneur demande beaucoup plus de travail, c'est ça, beaucoup plus d'implication pour pouvoir justement bien faire, bien structurer les choses pour que le travail soit plus ou moins un automatique par la suite. Et donc ça c'est voilà, pour moi c'est la base. La base, c'est vraiment que nous sommes entrepreneurs de notre vie. Donc à partir de ce moment-là, on n'est pas salarié de notre vie. On ne touche pas un salaire parce qu'on vit. Mais en entreprenant notre vie, on gagne quelque chose. Mais si on n'entreprend rien, on n'a rien. Donc c'était un peu la minute réflexion. Et du coup, voilà pourquoi, pour ma part, j'estime que d'être entrepreneur, c'est beaucoup plus avantageux. Parce qu'on a l'habitude de le faire tous les jours, en fait. On entreprend notre vie tous les jours. Donc du coup, pour entreprendre une société, c'est pas forcément la même chose, mais c'est un peu le même procédé. Voilà. Dans le fond, c'est pas la même chose. Mais dans la forme, c'est pareil. Et donc, c'est à nous de pouvoir nous organiser. En nous organisant vis-à-vis de notre société, on s'organise vis-à-vis de nous aussi en même temps. Parce que la société tourne autour de nous aussi. Notre société plutôt, pas la société. Et donc, voilà. Donc, j'espère que j'ai pu renseigner la personne qui m'avait posé la question vis-à-vis de comment on fait pour... pouvoir générer de l'argent en étant sur la route lors de nos excursions en fourgon aménagé. Donc j'avais dit que j'allais en reparler, donc du coup me revoilà sur le sujet. J'entreprends une activité pas extra professionnelle, une activité simplement en marketing relationnel. Marketing de réseau, c'est comme vous l'entendez. Et du coup, j'ai des choses à vous proposer. Et ça, bien sûr, c'est ceux qui seront intéressés pour nous contacter comme je l'ai proposé la dernière fois sur notre compte Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, du coup, il y a la page que je vais mettre en lien. Il y a la page Facebook où est-ce que vous pouvez nous contacter aussi. Envoyez-nous un petit message dans les commentaires et on va tâcher de vous contacter là où est-ce qu'on pourra vous joindre. Bien sûr, évitez de mettre vos coordonnées directement dans les commentaires de cette vidéo si vous êtes intéressé. Voilà. Donc, pour revenir sur ce sujet-là, donc moi j'évolue là-dessus actuellement et ça me permet de générer justement un certain revenu et pouvoir aussi vivre en étant dans le fourgon aménagé. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça vous parle. J'ai voulu terminer cette vidéo à l'intérieur du fourgon. Vous avez le petit clic-clac derrière qui bien sûr qui arrive. Bon, vous connaissez déjà l'intérieur, je vous ai déjà présenté. C'est pour vous montrer un peu que voilà, c'est là que ça se passe et ça se passe partout sur toutes les routes de France. Là où est-ce qu'on a invité, n'hésitez pas à nous inviter à des endroits des fois aussi, parce que là on va dire que la température a un peu changé. Et du coup,
bon ben il y a moins d'endroits fun en plein soleil. Il y a de moins en moins d'endroits fun en plein soleil. Et du coup, ben, si vous en connaissez, bien sûr, sans sortir de la France, parce que les passes sanitaires, c'est pas encore ça pour nous. Et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et puis on vous recontacte au plus vite. Donc n'oubliez pas toujours un petit like, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et surtout appuyez sur la cloche de notification pour pouvoir suivre nos vidéos. Donc je vous dis à très vite, allez ciao.